cette studio, c'est bien, j'aime bien ça. Déjà, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Et puis, à ce moment-là, j'ai juste décidé d'aider Yaël, parce que j'ai trouvé qu'elle avait un talent incroyable de composition, d'interprétation, de musicienne. Et puis, petit à petit, on a travaillé ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaël compose des chansons à une vitesse incroyable. Alors, on a quand même presque 200 maintenant. Et puis après, on mélange nos savoirs pendant des mois et des mois. Moins calme. En fait, c'est possible. Déjà, c'est vrai que l'album a été écrit dans une période très mélancolique. Et New Soul, par exemple, a été écrit à la fin de cette période qui était très gaie pour moi. Et là, il y a une toute nouvelle période qui commence. Donc, je pense qu'il risque d'être un peu moins triste. Mais on ne sait jamais. En fait, il y a quelques chansons qu'on fait sur scène déjà qui vont sûrement être dans le prochain album. Mais en fait, c'est une aventure que du moment où elle commence, on ne sait pas où est-ce qu'elle va nous emmener. C'est ce qui est arrivé pour celui-là. 2 ans et demi de bidouillage et de bricolage qui nous a amené à avoir cet album. Donc voilà, on s'en parle dans 3 ans, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura un mélange. Et le choix, pareil, il n'y a pas vraiment de calcul. C'est plus, à un moment donné, il y a un groupe de chansons qui correspond à ce que je ressens et ce qu'on ressent. Donc ça va être ces chansons-là et je pense que c'est un mélange d'après ce qu'on voit déjà. Il y aura beaucoup d'anglais, peut-être pour une première fois il y aura un peu de français et de l'hébreu aussi. En fait c'est très bizarre mais avec ce projet tout se passe vraiment d'une manière tellement douce et agréable. Et même les gens qui nous abordent dans la rue ou qui m'abordent dans la rue sont... très doux et respectueux et ils me disent juste quelques mots gentils, donc c'est très agréable d'avoir ce retour, surtout vu le processus de travail qu'on a eu qui a été vraiment très intime et vraiment on n'y croyait même pas que cet album allait sortir, donc c'est chaque fois très agréable d'avoir un retour positif comme ça. Tout le temps. Il est clavier dans notre groupe, il a acheté un appareil photo quand on était aux États-Unis, il nous prend en photo toute la journée. Donc on a un paparazzi, mais dans le groupe. On est conscient que ça peut arriver, mais encore une fois, je sens qu'on a pas mal de chance du fait que les choses se sont construites vraiment petit à petit et sans vraiment beaucoup de, comment on dit, d'ambition. Commercial, même si on a finalement eu un succès commercial, ce qui fait que on a vraiment envie de rester dans la musique. Donc le succès fait que on voyage beaucoup, on fait beaucoup de concerts un peu partout dans le monde. On a été à Tokyo, on a la chance vraiment de pouvoir voyager, de connaître plein de cultures. Ça c'est le côté positif. Et pour l'instant, à part le fait qu'on n'a pas le temps de replonger dans un travail de studio, la vie elle a pas trop changé. On espère que ça va juste durer. Comme ça, dans une simplicité. Et puis, une fois que cette période va être terminée, on va se renfermer en studio. En tout cas, on va se renfermer dans l'appartement pour bidouiller de la musique. En fait, avant la proposition de Apple, on avait d'autres propositions. Je sais plus, des chocolats, de l'assurance, des voitures. Et puis, ça nous paraissait pas très connecté et cohérent avec la musique. Et puis, quand on avait la proposition pour Apple, ça nous paraissait très cohérent très vite parce qu'encore une fois, on a travaillé pendant 2 ans et demi dans un ordinateur. C'est ce qui nous a permis d'avoir notre liberté artistique, de pouvoir enregistrer librement. Donc déjà ça, et puis il y a iTunes, et puis en plus les artistes qui ont fait ce genre de... qui ont été connectés, associés à Apple, c'est des artistes qu'on aime aussi. Donc la question ne s'est pas posée. Donc, ça nous paraissait cohérent et on s'était dit peut-être ça va pouvoir être une fenêtre pour des gens qui sont dans notre pays de connaître notre travail. Par contre, on ne s'imaginait pas à quel point... voilà, on s'imaginait pas tout ce qui s'est passé après, mais... voilà. C'est comme une petite histoire, un petit conte d'une fille qui s'envole dans un monde et puis à un moment donné... ah, c'est dur d'expliquer...
Oh, il faut que je la traduise, en fait. C'est un petit conte d'une fille, mais c'est un peu un truc imaginaire, en fait. C'est la seule chanson imaginaire dans l'album. Donc elle s'envole et lui, il la regarde, il essaye de toucher, mais à un moment donné, il s'endort et puis quand il se réveille, elle est en dehors de la fenêtre, elle s'envole. Après, elle est dans les nuages, mais j'arrive pas à expliquer. C'est une dingue. Moi-même, j'étais pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut traduire parce que c'est un jeu de mots. Voilà. Ah, d'accord. C'est comme... Vous connaissez dans la tête de John Malkovich, à un moment donné, il y a la course... Il y a une porte qui s'ouvre, c'est un autre monde qui s'ouvre, et puis il y a une autre porte qui s'ouvre, c'est un autre monde, c'est un peu ça, mais en hébreu, donc imaginez-vous. John Malkovich en hébreu.